Mesdames, messieurs, bonsoir. Et aujourd'hui, une vidéo sur Darwin Project, mais pas en tant que joueur, mais en tant qu'arbitre. Quand j'avais fait la première vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait deux rôles à jouer dans le jeu, donc soit en tant que joueur, soit en tant qu'arbitre. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. C'est simple, en fait, il s'agit d'un personnage qui va être spectateur de la game et qui va pouvoir lancer des pouvoirs sur la map durant toute la game. Donc voilà. Donc moi, j'ai tout ça de débloquer. En fait, plus vous allez jouer arbitre, plus vous allez débloquer des choses. Donc, vous voyez, choisir une zone à interdire, mettre tout le monde tout nu et puis voir à travers la map pendant 5 minutes, etc. Donc, vous sélectionnez votre inventaire, tout ça là. Et par la suite, après, vous allez faire sur jouer, mettre en scène. Et du coup, vous allez arbitrer tout cela. Donc, principalement, il y a beaucoup de Russes qui jouent à ce jeu sur les quatre, sur les plusieurs centaines de joueurs qu'il y a tous les jours. Donc, je vais parler en anglais. Voilà, si vous n'êtes pas bon en anglais, bon bah, je vais utiliser de l'anglais simple, donc ça devrait aller. Donc, vous voyez, là, je suis sur une caméra, en fait, hein, clairement, une caméra. Mes pouvoirs, on peut les voir là, je peux encore les modifier, mais de toute façon j'ai tout pris, donc je ne vais pas les réutiliser. R, c'est plus pour interagir avec eux, un message général qu'ils vont recevoir, tu vois. Voilà, par exemple. Et je pourrais utiliser la touche G plus tard pour faire un message vocal que tout le monde va entendre. Voilà. Donc là, mon micro est éteint sur le jeu. Je vais baisser un peu le son parce qu'on entend, on entendra pas. Voilà. Donc là, on attend que tous les joueurs se connectent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon, le dixième joueur se connecte. Et ensuite, je vais pouvoir faire un petit message général à tout le monde. Et on va ensuite donc on s'entraîne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un message général. Et après, j'irai voir tous les joueurs un par un avant qu'ils crèvent. Et voir un peu à qui je vais me tenir d'affinité. Celui qui va être le plus poli, celui qui va mieux le parler, celui qui va me répondre déjà. Il y a ceux qui ne me répondent pas. Voilà. Hello everyone, good luck for everybody. I hope you will play well and make me happy. And let's see, I will help you. And I will visit each other for know who is the kindest one. And I will help him. Donc là, j'ai fait de l'anglais PPT. Donc en gros, j'ai dit que je vais faire un tour de tout le monde et voir à qui est le plus sympa et qui je vais aider. On va essayer. Hello, Lordi. Hello, guys. L'ordi est en train de se faire défoncer. Je crois qu'on va dire au revoir à l'ordi. Hello, ha. Hey, hello. It's okay for you? You are strong in this game? No? Okay, I will help you if you want. No? You don't need the help? Ok. Bah, tu es enculé. Lolay 44, hello. Hello, guys. How are you? You don't speak English? No, I do speak English. Okay, you need help or you are enough strong for play alone? I mean, I'm okay at the moment. Okay. Il a pas entendu. Hello, Neil Nuggets. Hello. How are you today, guys? Do you have a mic? Non? Enculé. Hello, Scorpio. Hello, guys. Hello. Hello. Hello, Costier. Hello, guys. Do you have money for buy the mic? Hello, Shagigi 55. Hello, guys. Hello. 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 Hello, Smia. How are you today? You fine? You are ready for win? Okay. Today, for today, right? For today, yes.
Okay. If you want, I make video for my YouTube channel, and I will follow you all of the game for help you if you want. I don't need help, but I can follow you anyway. No. Okay. Okay. So good luck, guys. Yeah, thank you. Super Ziki. Ziki. Welcome back. Huh? Finally, I will help you. I won't help you. Okay. Please no. Why? I want to play alone. Oh. And I search with play alone. I'm crying. Not team. No, I'm a robot. You know. I will. I lol. I'm stupid. Okay, good luck. Okay, thank you very much. Good luck for you. J'ai besoin d'aide. Ah, je vais couper mon micro. Donc pour l'instant, personne ne veut de l'aide. Donc ils veulent tous jouer tout seul, je comprends. Parce que moi, quand je joue. Donc là, on va leur faire spawner une petite dent. Non, pas maintenant, tiens. On va aider quelqu'un qui a besoin de chaud. Tiens, lui là. On va lui donner un peu de chaud. Voilà, t'as vu? Tac, il y a un petit robot qui donne un peu de chaud. De toute façon, il est en train de souffrir. Ça va même servir à rien ce que je suis en train de lui faire. On va mettre un petit de boost de vitesse accessoire pour 20 secondes. Donc là, tout le monde va super vite pendant 20 secondes. Ah non, une seule personne. À lui. D'accord, ok. Tac, ressources doublées. On va faire ça. Voilà, donc là c'est un peu les vacances, c'est un pouvoir qui fait que, en fait, pendant un certain temps, tout le monde est en slip, comme un headbutt, comme ça. Et en fait, tout ce qu'ils vont récupérer sera doublé. Voilà, donc, vous voyez, c'est sympa. Tout le monde se bat à poil. Bon, c'est cool, quoi. Donc apparemment, personne ne veut mon aide. Entre ceux qui n'ont pas de micro et ceux qui n'ont pas de mon aide, et bah tant pis pour eux. Donc oui, vous pouvez voir les ressources à travers. Et après, je vais activer un truc, ce qui est pas mal. C'est ça, là. Tout le monde... Tu peux voir à travers tout le monde, en fait. Je vais attendre que ça se termine, ça. 7, donc il reste encore 7 joueurs. C'est rare qu'au bout de 7 minutes de jeu, enfin 5 peut-être, il y a encore 7 joueurs. Donc il n'y a eu que 3 kills. Donc voilà. Oh, Scorpio. Shaggy! Bye bye Shaggy! Il doit rager. Bon. On va continuer, on va attendre. On va attendre que ça va se terminer là, la plage là, et on va tout de suite lancer la... On va attendre, on va niquer quelques zones d'ailleurs. Regarde, on va tous les regrouper un peu là. Pour les regrouper. On va faire ça. Et on va faire ça. Ah, je peux pas mettre deux. On va faire ça. Une bombe nucléaire qui va tout nettoyer. Voilà, comme ça, ils vont tous se regrouper. Et là, et après, il faudrait que je cumule 5 points pour activer la lune sanglante. Et derrière, voilà. Donc après, vous avez une vue comme ça aussi, hein, une vue d'ensemble. Je suis où, moi? Je suis là. Donc là, on peut voir les fights. Ils sont tous les deux proches là, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent se battre. Bon, je les vois pas. Là. Il y a moyen de faire des belles vidéos. Hein. Ah, un petit. Tac. Donc là, la bombe nucléaire est activée. Donc là, s'ils sont tous les trois là, il y en a deux au milieu. Il aurait fallu que j'en défonce encore une là, deux. Oula. Ouh, il va perdre de la vie là. Il est dans la lave, non? Ah ouais, ouais, lui il est dans la merde. Mais... Il est où là-bas là? Je suis pas sûr que ça va. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il a cru que son bouclier c'était. Ah, regarde, on va.
On va activer ça maintenant. Voilà. Donc là, tout le monde se voit à travers. On va aider quelqu'un qui a pas beaucoup de bois, comme lui par exemple. On va l'aider. Voilà. Un mec comme ça, moi. Ouais, je vais l'aider. Même si eux, ils ont pas de micro. Et il me reste plus que 4 trucs à activer. On va en donner un à elle aussi. Voilà. Elle voulait pas d'aide tout à l'heure, mais tant pis. Hein. Pour moi, elle va pas dire non. Bah oui, voilà, une petite armure qui permet de supporter un coup. Du coup, hein. Donc. Là, ils sont tous. Il me reste pas grand chose en fait. Alors, il fallait que je mette ça au centre là. Voilà, là ils vont être. J'ai mis un truc spécial au centre de la map. Ils vont être un peu tous attirés. Voilà, donc là, est-ce que ça va marcher? Ça n'a pas l'air de marcher. On va fermer une zone, voilà, on va tous les enfermer. Hein. On va y arriver, non? On va essayer de tous les faire tuer, il ne me reste plus qu'un seul truc de toute façon. Donc il aurait fallu que lui là, il prenne son petit pouvoir spécial là, puis... En plus il est pas... Il est pas vraiment beaucoup de stuff, donc je comprends pas comment ça... Voilà, donc là, mon plan a marché. Ils commencent tous à se regrouper. Ils sont tous proches, hein, mais je sais pas pourquoi ils se tirent pas dessus. Ils se tirent pas dessus, c'est étrange. Allez, il va le chercher. Non, même pas, bon, ça sert à rien du tout. Bon, bah en tout cas, on va pas aller plus loin. Vous avez vu un peu comment ça se passait au niveau de l'arbitrage d'une game. Donc après, peut-être que moi j'ai pas encore tout débloqué, je crois, je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. En tout cas, c'est fort sympathique, c'est original pour un jeu de mettre ça. Après, voilà, il y a des mecs qui lancent le jeu, qui laissent la game se dérouler et puis qui n'aident personne. Moi, ce que je fais, c'est que je discute avec tout le monde, etc. Et puis ça se passe globalement bien, quoi. Donc, je vais mettre mon dernier ici. Ça va faire plaisir à lui, là. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un commentaire. Et n'hésitez pas à télécharger le jeu Darwin Project gratuit sur Steam. Sur Steam, oui, mais c'est ça. Un superbe Battle Royale, 10 personnes. Avec un arc, une hache. J'ai déjà fait une vidéo dessus, une vidéo découverte il y a récemment. Je vous invite à aller la regarder. Pareil, commentaire, pouce bleu, partager. C'est important pour la survie de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Banzai !